je m'appelle Ishaka, technicien d'écologie dans l'ONG d'Harari. Je suis dans le chemin pour aller voir le Livingstone dans le dortoir de Ada. C'est fatigant pour monter. C'est le grand chauve-souris géant. C'est une espèce endémique sur l'île d'Anjouan et Mueli. Mais c'est nulle part ailleurs, on ne peut pas trouver dans un autre continent, mais c'est uniquement ici en Anjouan et Mueli. C'est une grande chauve-souris noire et qui vit dans les forêts d'Anjouan. Ici on est dans le dortoir de Ada. On essaie de faire le comptage comme d'habitude. À chaque mois, on revient ici. On essaie de compter tous les nombres d'individus de Livingstone qui se trouvent ici. Pour comparer la variation de mois, les mois qui passent. On reste ici de 6h, 7h, 8h jusqu'à 10h, comme ça qu'on termine l'observation. On fait aussi un état des lieux de cette zone-là, vérifier s'il n'y a pas un arbre groupé ou une zone défrichée ou un arbre tombé ou des choses comme ça, des signes particuliers comme ça. Pour protéger l'espèce de Livingstone, on est en train aussi de discuter avec les propriétaires de ce parcelle-là pour nous donner des informations et de sensibiliser qu'on ne peut pas couper le grand arbre qui nichait le roussette de Livingstone. Si un jour il est coupé, là, le Livingstone doit disparaître et aller dans une autre zone. Pour mieux préserver, il faut qu'on laisse tranquille les roussettes dans de grands arbres et puis laisser les arbres régénérer autour de ces zones.